Je m'appelle Philippe Gueuzin, je suis le directeur de Senaero. Senaero est un centre de recherche situé à Goussely, tout près de l'aéroport. Nous sommes actifs dans les domaines de la conception aéronautique, dans les procédés de fabrication, dans les engins spatiaux, ainsi que dans les bâtiments et les villes intelligentes. Notre cœur de métier est la modélisation et la simulation, et c'est la raison pour laquelle nous exploitons également un supercalculateur qui est d'envergure régionale. Senaero, c'est environ 60 personnes, donc une bonne cinquantaine de chercheurs, dont la moitié sont titulaires d'une thèse de doctorat, et parmi ces chercheurs, une bonne part sont actifs dans la modélisation et la simulation des procédés de fabrication. C'est une activité historique à Senaero, où on a démarré cette activité environ il y a 15 ans, avec la simulation du soudage. Et donc, très naturellement, quand il y a eu le boom autour des procédés de fabrication additifs, eh bien, Senaero s'est lancé en fait dans la modélisation et la simulation de ces procédés. Je suis Christophe Ribelt, je suis ingénieur de recherche à Senaero. Dans le cadre du projet FAFIL, nous élaborons des modèles de simulation numérique du procédé de fabrication additive par dépôt de fil. Cette approche numérique est complémentaire aux approches expérimentales des autres partenaires, comme l'Institut de soudure et le Centre de recherche en métallurgie. Je suis Arnaud François, ingénieur de recherche à Senaero. Notre aspiration au travers du projet FAFIL est de proposer un outil d'aide à la conception pour la fabrication de nouvelles pièces par dépôt fil.